Salut les Breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog jour J, jour de match contre Roy Smith, l'américain. Ce matin, je me suis levé, petit déj avec la team, et puis là, on me prépare le match avec monsieur Guiter Florian. Petit massage, parce que j'ai voulu faire un peu de gainage, et quand je faisais les obliques, côté droite, bah, j'avais une petite gêne, on va dire en bas du dos à droite. Donc là, mon masseur professionnel est en train de checker tout ça, et je pense de, comment on dit, d'assouplir, de pétrir la chair, mon muscle, voilà, pour que ça soit ok pour cet après-midi. Après, on va au club, échauffement avec Léo Poulain, ensuite on mange là-bas, on revient ici, petite sieste, ensuite on repart au club, réchauffement 15 minutes, et ensuite on va au match. When I needed you the most, I saw you running high. Oh, I remember how we used to run the street, yeah. I pulled a James, came from Patrick with the heat, yeah. And I can't believe that I wasted all my energy on somebody who would turn into my enemy. But look, life is like a merry-go, cause running round we go. Shame on me for trying, if it's something that was wrong. Échauffement fini avec Léo, je me sens bien. On a fait un petit live TikTok avec le trépied, voilà, tout se passe bien. Les matchs sont en train de se faire et de se finir. De Shaper booké, donc mon adversaire, si je gagne mon match, ils vont aller au troisième set là. Et puis voilà, là on va aller manger, on va rentrer, petite sieste, petit massage, et ensuite je vais me réchauffer. Et puis match, voilà. Donc là il est 5h20, je devais jouer du coup après le double, là c'est encore le simple, j'ai pas été prévenu, ils ont mis le double sur un autre court, donc j'arbitre me dit que j'aurais dû être sur le site à 5h30 pour mon match, sauf qu'ils auraient peut-être dû me prévenir que le double avait changé, puisqu'à la base je pensais jouer après le double. Donc voilà, donc petit traquenard quand même, hein. j'ai demandé à jouer à 18h, normalement ça va être accepté, hein, puisqu'ils m'ont pas prévenu du changement de programme, quoi. Magnifique. Thank you.
Et surtout, mon breaker, si tu kiffes la vidéo, si tu kiffes la chaîne en général, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est ultra important, surtout si tu veux suivre mon projet qui est le retour sur le circuit ATP et recevoir toutes les notifications dès qu'on sort une vidéo. Bon, victoire les Breakers, 7-6, 6-3 ou 6-2 ? 6-2. 6-2, j'ai joué un traquenard. Franchement, il tape dans toutes les balles, il n'y a pas de stratégie, ça se joue en deux coups de frappe, c'est soit point gagnant, soit faute. Et je déteste jouer des joueurs comme ça, parce qu'ils sont à la fois surprenants, ils font tout et n'importe quoi, c'est insupportable. Sur tes secondes balles, ils y vont à 100% et t'attaquent. Du coup, moi, sur mes premières balles, j'ai vu quand même qu'il est en coup droit un petit peu point faible. J'ai essayé de faire beaucoup de slides sur ton coup droit, une balle qui rebondit pas trop pour pas qu'il l'ait ici, plus à hauteur un peu de hanche ou plus basse, pour pas qu'il puisse pas attaquer. Donc première seconde.
Et puis dans le jeu, faut essayer de remettre la balle, mais c'est crispant et stressant parce que en fait, le mec t'agresse tellement tout le temps, que quand t'as une balle facile à jouer, et bien en fait, t'en as tellement peu fait dans le match que t'es pas trop réglé en fait. Et du coup, t'oses pas trop et tu fais des fois un peu bizarres. Hein, voilà. Content de m'en être sorti, je perdais 5-3 dans le tie-break, c'était. Il servait à 215 le gars. C'était vraiment chaud, j'avais des gros supporters. Ça c'était cool et voilà, donc content. Je joue Kenny de Shaper qui a gagné, je crois, 4-6, 6-4, 7-5 contre Arthur Bouquet. Donc revanche de Cherbourg, là où j'ai pas pu finir mon match, où j'avais gagné 6-4 et après abandon. Donc content de faire cette revanche. Demain, je sais pas à quelle heure, la récup, eau froide, massage sur flanc guitare, repas et puis dodo. Salut des scènes, je suis. Et Saint-Brieuc. Alors en fait, j'attends, j'ai demandé une wildcard en Tunisie, parce que là je joue samedi. Mais en Tunisie, je suis en qualif et je dois jouer dimanche. Donc si je perds et qu'il n'y a pas d'avion, impossible. J'ai demandé aussi une wildcard, invitation au challenger de Saint-Brieuc. Et là j'ai la réponse. Bonsoir, nous sommes en train de confirmer nos choix. Malheureusement, nous ne pouvons vous apporter une réponse favorable car je ne suis pas le seul décideur. J'aurais apprécié vous avoir parmi nous. Bon match contre Kenny demain, à bientôt. Donc Saint-Brieuc, c'est mort. J'espère vraiment avoir la wildcard à Monastir pour jouer au tableau final mardi. Si je l'ai pas et que je perds demain et que j'ai pas d'avion, je pourrai pas jouer la semaine prochaine en tournoi. Donc il faut absolument gagner. Et si je gagne demain, je suis exempté des qualifications et je jouerai en Tunisie mardi. J'espère que c'était clair. Un peu compliqué, mais voilà. J'ai essayé d'être clair. Et mon breaker, comme tu as pu le voir dans la vidéo, aujourd'hui j'ai joué un gros serveur. Il servait fort, les bonnes zones, les bons effets, et en plus de ça, il était gaucher. Vraiment pas évident à jouer, mais justement pour toi, j'ai créé une formation pour contrer ce type de joueur. Ça s'appelle Pro Return. Je te mets les moyens à mettre en place pour jouer un serveur volleyeur, un serveur qui met plein d'effets, qui joue les bonnes zones, ou même un serveur qui n'a pas un service très fort, mais comment le retourner. Je t'ai mis aussi comment retournent les pros, Djoko, Medvedev, Roger ou encore Nadal. Je te fais un petit loom et je te dis exactement comment ils se placent, quelle zone ils jouent, etc. Tu as jusqu'à ce soir minuit pour cliquer sur le lien en description. Tu as une promotion de 100€. La formation est initialement prévue à 199€, mais pour toi, jusqu'à ce soir minuit, elle est à 99€. Donc si tu veux avoir ton accès privé, n'hésite pas à cliquer sur le lien tout de suite en description. Salut mon breaker.